Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre rubrique découverte. Aujourd'hui, nous allons parler d'Issa Diop, un joueur français évoluant à West Ham. Il est né en France en janvier 1997 d'un père sénégalais et d'une mère marocaine. Issa Diop est formé au Tourouf SC. Il participe à sa première rencontre au niveau professionnel en étant titularisé par Dominique Arribagé lors d'un match de Ligue 1 contre l'OGC Nice le 28 novembre 2015. 4 jours plus tard, Diop inscrit son premier but en Ligue 1 face à 3. Issa participe à 23 matchs en toute compétition confondue avec Toulouse FC lors de sa première saison au niveau professionnel, durant laquelle le club toulousain parvient à se maintenir en Ligue 1. Lors de la dernière journée, le 30 juin 2016, il signe son premier contrat professionnel en faveur de son club formateur, celui-ci portant sur une durée de 4 ans. Issa Diop inscrit son premier but de la saison 2016-2017 le 20 août 2016 lors du derby de la Garonne face aux Girondins de Bordeaux, avant de récidiver le 11 février 2017 face au Bastia. Il devient titulaire au sein de la défense toulousaine lors de la saison 2016-2017, manquant cependant 6 matchs à la fin de l'année 2016 à cause d'une blessure au dos. De nouveau titulaire la saison suivante, Issa Diop dispute 41 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot de son club formateur, qui parvient à se maintenir dans l'élite à l'issue des barrages. Le 19 juin 2018, Issa Diop s'engage pour 5 ans avec West Ham United, arrivé en Premier League. Avec son 1m94, il a rapidement impressionné les meilleurs entraîneurs, dont José Mourinho, comme les meilleurs clubs britanniques, dont Manchester United et Arsenal, sont tous tombés sous le charme de l'ancien joueur du Toulouse FC. Il était présent dans l'équipe type des Français de Premier League après un premier exercice réussi. Concernant sa carrière internationale, Issa Diop se veut très clair: le joueur de West Ham qui pourrait prétendre porter les couleurs du Maroc ou du Sénégal ne compte pas représenter une autre nation que son pays natal, quitte à laisser passer le train. Il y a 2 ans, il évoquait que la France ou rien. Même si je ne suis pas sélectionné, je suis à la disposition du sélectionneur. Ce sont des choix. Je continue de travailler pour être sélectionné, avait expliqué le joueur de West Ham sur Canal+. Cela veut dire que j'ai besoin de travailler. Oui, c'est un objectif. J'espère qu'un jour je pourrai évoluer en équipe de France, mais pour cela, je dois encore progresser. Je suis né en France, je suis français, je dois tout à la France, c'est mon pays, insistait-il. Aller dans une autre sélection parce que je suis pas allé en équipe de France, ce serait un peu hypocrite de ma part, ce serait aller dans une sélection par défaut. Je suis français, j'aime l'équipe de France, j'ai envie de jouer pour. Et même si je ne suis jamais sélectionné, je ne changerai pas. Malgré les convoitises du Sénégal et du Maroc, Issa Diop compte donc évoluer avec les Bleus de Didier Deschamps. Lors de la défunte saison, il a enregistré 20 matchs avec West Ham et inscrit 2 buts. Issa Diop, un joueur français d'origine marocaine et sénégalaise.